partie des villes vertes. La capitale des Pyrénées-Orientales est même à la traîne des villes de moins de 20 000 habitants, question végétation. Mais dans ce département, très touché par la sécheresse, pas facile de créer des îlots de fraîcheur en composant avec les restrictions d'eau. Les explications de Marie Baucher et Chloé Fabre. 10 arbres plantés au cœur de Perpignan, un pas timide vers la végétalisation de la ville. Ici, la plantation est possible car le réseau d'eau permet l'arrosage au goutte à goutte. Les restrictions d'eau sont une contrainte pour la mairie qui a vu passer son nombre d'arbres plantés de 9 000 à 3 000 par an. On a un arrêté sécheresse depuis juillet 2022 qui nous empêche d'arroser toutes les nouvelles plantations qui nécessitent en moyenne 100 litres d'eau par semaine et donc une logistique importante. Malgré cela, on plante quand même des arbres ou des arbustes quand on peut les arroser au goutte à goutte en respectant la réglementation 2 heures tous les soirs. Une étude récente classe Perpignan parmi les villes moyennes les moins végétales de France, avec seulement 18% de surface arborée. Et les lieux emblématiques de la ville sont parlants. La place de la Victoire devant le Castillet, la place de la République dans le vieux centre, ou encore la place Catalogne et ses avenues tout autour. Peu d'arbres et du béton au pied des troncs qui empêchent l'eau de s'infiltrer. Au-delà de la question écologique, la végétalisation permettrait d'améliorer le cadre de vie. Alors, la place Catalogne, le problème, c'est l'entrée de ville quand même. Et en plein été, vous pouvez faire cuire un œuf, hein, clairement, parce qu'il fait vraiment très chaud. Ça manque d'arbres, à part ces quelques palmiers que vous voyez, mais d'autres aussi. Avenues, par exemple, l'avenue Colonel Guillot, vous avez Aristide Briand, vous avez la place de la Victoire. Ces places-là, il faut les végétaliser rapidement. C'est important parce que ça peut être des lieux de vie. Et on parle du cadre de vie, c'est très important. La plantation d'arbres et d'arbustes représente un budget de 500 000 euros par an pour la mairie de Perpignan, aujourd'hui confrontée à la nécessité de végétaliser pour créer des îlots de fraîcheur.